Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Death Stranding et donc nous avons une livraison pardon, de pizza urgente à faire, donc on va peut-être la faire directement. Peter Angler. Et après on aura une reconstruction routière et tout. Je pense qu'on va déjà faire la pizza. On va d'abord faire la pizza comme ça, bah, comme ça c'est fait en fait tout simplement. Sauvegarder au cas où il nous arrive des bricoles. Après En fait, le truc c'est que je me dis que pour le pont, en fait le pont il existe déjà, c'est ça qui me fume. Le pont c'est que c'est tout droit et à mon avis ça doit pas prendre énormément de temps. On va tenter, on va voir. Au pire comme je dis on a sauvegardé. Et on voit qu'on a plus le temps, on commencera mais à mon avis ça se fait en 2 secondes le pont. Hein. Sam, on dirait que vous approchez de l'autopaveur. Mettez-le en marche et vous aurez une nouvelle. Ouais, c'est juste là. Les distances ont l'air vachement plus. Vachement plus grandes sur la carte, mais en fait, non. Alors. Au milieu de la structure. Ah, c'est juste pour avant, compléter en fait. Route qui traversait la région. Ah ouais, la première elle était giga grande. C'est un paveur derrière elle. Mais il vous faudra plus que ça si vous voulez finir le travail. Vous n'avez pas les matériaux nécessaires pour le paveur. Dans ce cas, retournez à la ville relais du lac et prenez ce qu'il vous faut. Si, je les ai, elles sont dans mon Ou coffre si là. Si vous vous sentez en veine, essayez de récupérer le nécessaire avec votre scanner de marchandises. Si, tu me les as donné. Plateau camion. Il y en a même trop. Ils m'en ont donné trop en fait. Régler la quantité. C'est pas juste compléter ce qu'il faut. Hein. 150. Matériaux. Ajouter des matériaux. Et il en met plus que prévu en fait. Il peut pas réguler en fait. Reconstruire des routes, assure une alimentation électrique. Oui. Et du coup, il m'a donné beaucoup trop de matériaux en fait. Ah oui, 700 likes. Terminez votre première route. Go. Du coup, tu peux pas y construire comme tu veux quoi. C'est Il y a des routes qui étaient déjà là en fait et tu les reconstruis. Tu peux pas en construire n'importe où quoi. Waouh, maître bagagiste. Le rentrant de divers. Félicitations Sam. Merci. Cette route fait vraiment plaisir à voir. Et ce n'est qu'un début. Créer un réseau de transport à l'échelle du continent sera particulièrement essentiel pour notre avenir. C'est pourquoi il est si important de bien utiliser tous les paveurs que vous trouverez en route pour pouvoir reconstruire nos routes et autoroutes. Vous imaginez? En fait, il m'en a donné un peu plus de que prévu pour pouvoir continuer la route, j'imagine. Ah ouais, genre là, tu vas pouvoir peut-être faire une route qui continue jusqu'à la ville relais du lac. Et du coup, juste par la route, tu pourras faire ville relais du lac et ville relais sud du lac. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Du coup, le paveur, là, l'autopaveur, est-ce qu'il est... Y a trop de trucs. Autopaveur, ouais, il apparaît. Boîte de stockage. Métaux. Camion. Sam. Et il doit être sous moi, en fait, l'autopaveur. Je sais pas à quoi il ressemble, c'est un truc bleu, on dirait, c'est ça en fait. Autopaveur, ouais, c'est ça. Donc là, t'as l'autopaveur, mais là, c'est déjà construit. Mais du coup, il n'y a pas d'autopaveur ici en fait. C'est ça qui me perturbe. Parce que pour construire une route, il faut qu'il y ait un autopaveur. Sauf que les autopaveurs, est-ce qu'on peut les construire avec les CCP? Je sais plus. Non, je crois pas, hein. C'est des trucs qui sont inclus dans le jeu de base, les autopaveurs.
Après, peut-être que plus tard tu pourras en construire. Et du coup, tu pourras faire des routes où tu veux. Ça m'étonnerait. Combien que là, de travail serait plus simple. Si on fait menu de la structure, construire des routes. Ah, il y a réparer aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent être abîmées. Durabilité. Ah ouais. Ok. Ah ouais, 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 ok. Du coup, je sais pas trop s'il faut que je les garde avec moi, quoi. Les matériaux, parce que bon, ça prend de la place. Ça prend de la place de fou. Pour éviter avoir à faire deux allers-retours, je vais aller re-récupérer les trucs. Du coup, la batterie est pas utilisée tant qu'on est sur les routes. Ça, c'est un truc de fou, hein. Et peut-être si on est en boost. Enfin, si on est en boost, peut-être. Alors, est-ce qu'on va pouvoir récupérer tous les trucs et les mettre dans le camion ? Mais du coup, j'en ai des nouvelles qui sont apparues ? Ah non, 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 non. Oui, non, mais j'avais dit que je revenais en fait, dans tous les cas. Je crois que j'avais dit que je revenais. Parce que j'avais pas vu ça comme ça en fait. Ça, les prototypes, c'est tout en bas de la carte. Ouais, non, mais en fait, je vais même pas les reprendre. Et oui, non. Vous savez quoi ? Je pense que pour l'instant, ça. On va les foutre dans le casier privé. Et on verra quand on aura besoin. Ça. Est-ce que je récupère tout maintenant ou est-ce que d'abord je livre la pizza ? On va faire un aller-retour juste pour la pizza, vu que c'est une commande urgente. On verra après pour les autres commandes. Au sauvegarde. Normalement, je devrais avoir le temps. Hein. Commande. Livraison urgente. Ça fait que 5 minutes. Tranquille. On va faire ça, ça. Hop. On a la pizza avec nous. Et on reviendra ici juste après. Pour prendre toutes les autres commandes. Ça se retourne quand même. Et donc là en fait c'est là-bas. Ok. Donc là on va complètement sortir du truc. Du coup mon lien est un peu pété. Ça comme ça. Ouais, par contre l'énergie elle baisse super vite. Genre c'est un délire. Trop bien le camion, mais niveau énergie c'est pas trop ça quoi. Pourquoi je vais me faire chier à passer dans l'eau? On est déjà mid hein. Je sais même pas si on va pouvoir faire l'aller-retour du coup. J'espère qu'on va pas se taper des échoues ou je sais pas quoi en plus là. Oh, sérieux? Ah, c'est écrit sauter, on peut sauter? Non. Je sais pas, peut-être que si. Waouh.
Par contre, on aura pas assez de, on aura pas assez d'énergie pour revenir. Hein. La livraison de pizza, monsieur, dame. Livraison terminée. Ok. Affichage de l'évaluation de performance. Merci de votre soutien sans faille. Ah, pas de soucis. On n'a pas eu de. On n'a pas eu de relation avec un PNJ. Voilà, du coup, comment on va faire? Certes, de toute façon, je peux tout porter sur mon dos, c'est pas le problème, mais j'aimerais pas perdre le camion, en fait, c'est ça mon problème. Pas de CCP pour construire une... Est-ce que je peux pas le faire ici, au pire? Attends. Est-ce que je peux pas construire un CCP d'ici? Non, y a pas d'imprimante qui râle ici. Ah non. Fuck. This is a little problème. Parce que là, ça servira à rien d'aller là, je pense pas. Ouais, non mais. Je pense que c'est doomed, hein. Est-ce qu'on peut faire genre un truc ici? Après un truc comme ça là? Mais ça changera rien à ma vie. Ouais, je peux pas save si je suis à l'intérieur. De laisser le camion, ça va me rendre trop triste par contre. Hein. Batterie est en train de se vider. Ouais, je sais bien. Voilà. Je sais bien, mais là. Ouais, il faudrait que j'aille chercher un CCP. Que je construise un. Une borne électrique. Rien n'est impossible. On est vraiment pas loin, quoi. Faut que j'arrive à aller sur la route. Non, c'est si close. Non, putain de merde. Oh, c'est si close. Et il est pas censé se recharger tout seul? Ça va, il fait beau là, non? Non, c'est que mon truc à moi qui se recharge tout seul. Pas du tout si ça se recharge ou pas ça. La batterie est morte. Fuck. Faudrait genre que je prenne un CCP, que je mette une batterie électrique juste ici. Oh, c'est ma seule solution actuellement. En plus ça coûte quelque chose. Hein.
C'est quoi ça là? Energy zone. Ah, c'est pour les véhicules justement. Un peu comme le matin. Ah, on peut rentrer dans la chambre privée à partir d'ici, ok. Ok, ok. Refuge niveau 3. Ah, c'est genre, c'est un mec, il a compris. Il a construit un refuge. Ah oui, d'accord. Putain, on peut construire des refuges à un moment. Ah, ça c'est fou ça. Ça c'est un truc de fou. Et ça veut aussi dire que potentiellement à un moment dans le jeu, on va te mettre dans une zone, il y aura zéro refuge et tout là. Ça sent pas très bon non plus quoi. Il veut pas se recharger du tout. Pas du tout hein. Ah pas du tout, pas du tout. Putain, mais les bornes électriques, mais même juste la route en fait, c'est tellement proche. C'est si frustrant. Ok, on va essayer de faire ça. Sauf si ça y est, on peut prendre des véhicules, mais ça m'étonnerait. On peut toujours pas. Locked. Sérieux quoi, on n'a pas un niveau d'accréditation assez élevé pour prendre les véhicules du jeu. Pas très sympa mais bon. Grave. Accès autorisé. Bienvenue. Bienvenue. Alors, fais-moi voir ça. Casier partagé, non, casier privé. Est-ce que j'ai un CCP quelque part ou pas du tout? Ici, j'en ai pas, c'est sûr. Casier partagé, récupérer des marchandises. Est-ce qu'il n'y a pas un CCP qui traîne? Pas de CCP qui traîne. Et eh ben on va fabriquer un CCP niveau 1. Ça aussi il y aura plusieurs niveaux de CCP du coup. 5 kilos. I want it. Thank you. J'ai même plus, ça me coûte des ressources de fabriquer un... générateur. Métaux 400, ça me coûte. Ouais, en plus ça coûte des métaux. Je crois que j'ai là, du coup. Face à la quête qui m'en a donné un petit peu trop. Même si ça devrait être utilisé pour une autre route, je pense. Et sinon, je peux les récupérer directement ici, en fait. Les métaux. Et je veux pas le faire. On en a. 400 de métaux. C'est sur le dos. Ça me fait chier de faire ça, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Si je veux récupérer ma... je veux récupérer mon camion. Mon beau camion. Apparemment le seul livreur est le plus haut gradé, mais je suis pas le seul livreur, hein. Porteur d'ailleurs, pas livreur. Je suis pas le seul porteur, mais je suis le plus haut gradé, mais j'ai même pas accès au véhicule quoi, bref. Mon camion. Et ouais, du coup tu peux pas faire pas faire beaucoup de hors-piste quoi avec hein. C'est oh putain, ça s'est rechargé. Bah du coup ouais, ça s'est rechargé un peu avec le temps. Ok, bon bah pas besoin de borne. On a fait tout ça pour rien. Let's go. Du coup, si là je suis comme ça là, ça se recharge ou pas?
En fait, je crois que ça ne s'écoule pas, mais je suis pas sûr que ça recharge non plus, quoi. Ouais, pas sûr. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire un petit aller-retour inutile. Si je pouvais me recharger comme ça. Mais il va pas jusqu'au bout. C'est chargé au max. On dirait. Du coup, on va récupérer. On va récupérer les commandes. Bon, j'avoue que vu que j'ai des véhicules, vu que j'ai un gros véhicule, je me permets de faire des commandes que j'aurais pas fait normalement. Mais bon, si ça peut me faire progresser dans le jeu. Faut dire non, hein. Alors, casier privé. Ouais, est-ce que je ferais pas mieux de les garder au cas où? Je pense que je ferais mieux de garder quand même. Alors, peut-être pas la céramique, mais du coup, je vais peut-être garder les métaux pour construire une borne électrique si j'en ai besoin à un moment. Hein. Je pense que je vais faire ça. Hein. Donc, ça, on reprend. Poche de sang aussi. Ça, on prend. Charger sur le véhicule. Confirmer. On va accepter des commandes. Il n'y a pas une nouvelle qui vient d'apparaître là. Collecte et récupération de matériaux. Livrer 320 céramiques. Juste à côté. Non, parce que ça fait 300 kilos du coup ça. Ça va me saouler, ça encore, je le sens. On va juste la prendre, elle. Ok. Merde. Ça a l'air d'être juste à côté, donc je vais être ok. Ah, c'est où du coup? C'est sur le dos, métaux 400. Il est pas censé me donner. Commande attribuée. Non, il m'a rien donné du coup. Collecter au moins une caisse de céramique 320. Ah, il veut que je livre. Lieu de collecte. Ah non, lieu de récupération. Et donc faut que j'aille récupérer 320 de céramique ici. Mais c'est au tout début du jeu en plus. On reste dans la zone. Et je crois qu'il y a des escaliers et tout ici. J'ai un petit email. Alors, cher monsieur Bridges, permettez-moi de vous féliciter pour cette mission effectuée de main de maître. On m'a laissé entendre que la pizza en question était arrivée en parfait état, splendide. Toutefois, je vous présente des excuses de la part de ma soeur qui était endormie au moment de votre venue. Quant à moi, j'étais sorti pour régler une affaire personnelle de plus haute importance, mais me voici de retour au moment où je vous écris. J'aurais largement préféré vous remercier en personne, mais vous devrez m'excuser pour cette fois. Ah ouais, vous avez eu la flemme de faire un PNJ, j'ai bien compris. Ok. Je vais juste faire une livraison de céramique. Enfin, il faut que j'aille récupérer la céramique, on est d'accord. Que je me fasse pas avoir une fois que je suis arrivé. Lieu de collecte, récupération, c'est écrit. À mon avis, c'est bon. Ah oui, par contre, après. J'espère que c'est ici qu'on doit l'amener, quoi. Et du coup c'est là. Ouais.
Ok. J'espère que je vais pouvoir revenir. J'espère que je vais pouvoir remonter. Plein de céramique ici. Céramique 320. Ah oui, c'est au moins une caisse. Eh oui. Et du coup, tu peux avoir. Ah, mais le problème, c'est que putain, j'ai récupéré ça comme un con. Du coup, je vais pas pouvoir en prendre énormément. Hein. Franchement. Je sais pas si je vais pouvoir. Hein. Genre plus de deux déjà, ce sera un miracle. Là je peux pas là. Je peux prendre que un par un. Est-ce que je peux rentrer dans le véhicule là? Là je peux. Vraiment bientôt optimisé, faut faire plusieurs passages en fait. Tu veux tout prendre. Et c'est où qu'on voit la charge? Ça j'aimerais bien savoir ça, où est-ce qu'on voit la charge du camion. Parce que là comme ça j'ai pas l'impression que ce soit écrit quoi. Ça me perturbe un peu. Là, on peut plus utiliser le véhicule. C'est un peu de... C'est un peu risqué que je le laisse ici là, mais bon. Y aller en marche arrière. Ça va bien se passer. Je suis en as du volant. À la limite que je la décharge, que je décharge mes trucs ici là. C'est vrai que j'ai des, c'est vrai que j'ai des chaussures en mauvais état. Mais on va les user encore un peu. Je vais remettre ça. Ça, on va les décharger sur le sol. J'ai deux trucs sur moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Métaux 400. Ah non, c'est le mé... Ah oui, ça prend deux places comme ça. Ah oui, d'accord. Effectivement. Effectivement, effectivement. On va y retourner, hein, on va chercher le reste. On va essayer d'avoir une bonne note.
On gagne quand même quelques précieuses minutes à y faire en véhicule. Je pense. Ça, je vais décharger pour l'instant. Même pas pourquoi j'y ai pris. Ah ouais, j'aurais dû tout m'enlever en fait. Parce que je peux même pas. Ouais. Merde. Mettre la 4, peut-être 6. Pardon, je clique juste sur F une fois alors qu'il faut que je reste appuyé. Ça fait perdre quelques secondes. Ah là on peut plus, ok. On va juste qu'on revienne pour les deux dernières. Bon, je sais pas s'il y avait un moyen, enfin, dire je sais pas s'il y avait un moyen d'optimiser. Si en... Allez, c'est parti. J'aurais pu en prendre deux de plus là si j'avais enlevé tous les trucs que j'avais sur moi quoi en fait. J'aurais pu le faire juste en deux allers-retours. Mais bon, tant pis, hein, pas grave. Après tout, sommes pas tant pressés par le temps que ça dans cette mission. Même si, bien évidemment, ça joue sur la note finale. Pas si grave. Faut juste que je fasse gaffe en arrivant parce que du coup il y a des trucs de partout. Tac, camion, brap. On tout ça et on y décharge. Et bien évidemment, on y retourne. En soi, on aurait pu valider la, on aurait pu valider la quête avec un seul, mais bon, ça nous aurait fait une sale note. C'est pas très loin en fait, c'est juste à côté. J'avoue que si ça avait été super loin à livrer, bon, on aurait livré sûrement qu'un seul.
Enfin, on aurait fait qu'un seul aller. On serait pas fatigué à en faire plus. Mais bon, là, un petit effort. Peut-être que ça va être cool ce que ça va nous rapporter. Après, j'avoue que si ça nous rapporterait un bon, bref. C'est possible, hein. C'est plus que ça nous rapporterait. Bon, je sais pas si je les ai tous, mais j'ai l'impression hein, y a plus rien qui apparaît. Bon allez, on décolle. Donc on va dire que c'est bon. Mais... Faire une livraison, livrer la marchandise demandée, 9 sur 9, bah parfait. Non mais ça coûte tellement lourd quoi. C'est un délire. Hey Sam, content de vous voir. Yo. Ah bah, c'est beaucoup plus que ce qu'on attendait. Merci Sam. C'est vraiment parce que c'était à côté hein. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au Et du coup j'ai reçu des emails. Vas-y privé. Dans le casier privé, je peux les recycler ni rien, on verra plus tard. Ouais, ça va me prendre de la place quoi, les métaux. Je suis en mode ouais, si on en a besoin, mais putain, la place que ça prend quoi. Enfin, genre se trimballer avec 400 de métaux, c'est pas anodin quoi. Non, vas-y, je veux pas me trimballer avec 400 de métaux, c'est mort. J'ai pas envie. S'il faut, on reviendra chercher. Et là, fuck. Fuck, parce qu'en plus, là, du coup, on va accepter des commandes. Qui sont un peu de partout, quoi. Livraison fragile. Là, je vais tout prendre. 94 kilos de bois. Ça va être ok. Est-ce que tout rentre sur le véhicule? C'est plein. Ouais, mais le problème c'est que... Eh oui. C'est le problème. Ouais. Non, il y a une quête que je peux pas accepter là. Je peux pas genre tout Je suis obligé de désaccepter un nain là. L'angoisse. Oh, l'angoisse. Ça.
fait chier quoi de devoir faire un aller-retour. Ah mais après attends. Est-ce que je les ai encore récupérés ces trucs? Eh oui. Si je les enlève. Je pense que ça devrait être bon, non? Et qu'on soit bon. Ok. Ça a l'air d'être bon. Faudra juste qu'on revienne pour la truc principal quoi. Mais est-ce que je peux monter? Oui, en plus je peux monter. Parfait ça. Parfait, parfait. Ok. Sauvegarde. Alors petit email d'abord. Jack Wind. Si ça me commence à toujours en route vers l'ouest. On est tous derrière vous. On faisait partie du deuxième groupe. On a donc jamais eu l'occasion de parler à Amélie en personne. On a eu droit à quelques messages holographiques, mais c'est tout. Quoi qu'il en soit, le moindre petit truc nous a permis de tenir. Exactement comme sa mère, aussi tenace qu'intelligente, plutôt jolie pour ne rien gâcher. C'est hypocrite de ma part de dire que je ne l'avais jamais remarqué, que je ne l'avais pas remarqué, mais ce qui nous a vraiment touché, c'est sa détermination, l'image de Bridget. On aurait tout donné, on aurait tous donné notre vie pour faire de sa vision une réalité. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut que vous avanciez et que vous la rencontriez pour nous, qui nous n'en avons jamais eu l'occasion. Et quand vous la rencontrerez, vous lui direz qu'il existe encore des gens qui croient en sa cause et en elle. Et en sa mère, vous pourriez faire ça pour nous. Les couleurs... Salut Sam, vous avez entendu la nouvelle? L'un des porteurs à qui j'ai confié des grenades hématiques a éliminé un échoué l'autre jour. On a constaté une forte baisse de la densité de chiralium qui coïnciderait avec ses dires. On peut donc en conclure, sans le moindre doute, qu'il a bel et bien fait sa fête à cette saloperie. Et ça, c'est entièrement grâce à vous et aux UCA. C'est un échange de bons procédés, on sacrifie un peu de notre vie privée, on partage un peu de notre savoir-faire. Vous acceptez de nous protéger, ce n'est pas trop cher payé. Ça suffit pour aider la cause, un peu comme une taxe finalement. On paie pour être protégé, les contrats eux seuls ne font plus l'affaire, ça serait profiter de la situation sans contrepartie suffisante. Par contre, si on ne paie pas nos impôts, on ne pourra pas se plaindre de ne plus être protégé, c'est donnant-donnant. Les informations et la technologie que j'ai reçues de Bridges pourraient me permettre de commencer à produire des grenades hématiques en grande quantité. Si c'est le cas, peut-être qu'on pourra se débarrasser de tous les échoués des environs. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça, il n'y a que votre sang qui semble fonctionner. Ne vous méprenez pas, pas besoin de vous saigner à blanc, honnêtement, on vous en donnait déjà beaucoup. Parce qu'à chaque fois que vous faites une pause, j'imagine que ce n'est pas facile. Mais nous sommes vraiment reconnaissants, ne l'oubliez pas. Ouais, ouais, bah si vous pouvez éliminer tous les échoués du jeu, moi ça me va. Hein. Mais je pense pas que ça soit aussi simple. Ok. Je crois que je viens de sauvegarder, mais vas-y, on va le refaire. Hop. Petite sauvegarde, on va s'occuper de nos trois... Putain, ça y est, je fais des quêtes secondaires, ça commence, ça y est là. Non mais après un véhicule ça change tout hein, un véhicule comme ça, c'est vrai. Ça donne un peu plus envie quoi. C'est-à-dire que tu m'enlèves le véhicule là dans une prochaine zone ou quoi et tu m'enlèves les véhicules et les routes et tes commandes, je peux te les mettre où je pense quoi. Alors, comment du coup il faudrait qu'on aille faire celle-ci en premier? J'enlève les autres paires. Non, j'ai peur que ça fasse de la merde. Alors le problème c'est que là les ponts c'est bien mais du coup... Tout à l'heure je pouvais quitter le pont ici mais là je veux pas pouvoir là. Ça va être problématique non? T'es en train de me poser la question là. Tout à l'heure vu qu'il était cassé on pouvait descendre du pont. Mais là si je descends du pont je me casse la margoulette. Détecté mais c'est pas grave.
Y a pas de soucis normalement. Là il y a une échelle. Il y en a une échelle où je pourrais descendre. J'ai pas trop envie. Ah oui non mais c'est bon. On va faire ça ici. Eh oui, ça redescend à certains endroits. Très bien, très bien. On a même un pont là. Ça c'est pas merveilleux. Il y a même une borne qui vient d'apparaître, incroyable. On a même pas besoin et pourtant il y en a une. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Accrochez l'identification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Quel plaisir les améliorations. Dernière livraison. Merde. Comme ça ne rien faire. Fermer la livraison partielle. Oui, ça prend pas les. Ça prend pas les trucs dans le camion. Au camion. Est-ce qu'il faut que je l'approche un peu plus? C'est... Après, c'est écrit véhicule not allowed. Ils sont pas autorisés. Est-ce qu'il peut au moins le capter, au moins ici ou pas? Bonne livraison. Oui, c'est bon, il la capte. Juste que je mette quelques roues. Ah, salut, content de vous voir. Bon, la marchandise est en très bon état. Un peu, mon vieux. Merci, à la prochaine. J'en prie. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison. Ouais, mais à chaque fois, j'ai des nouveaux mails qui apparaissent, quoi. Calmez, oui. Un pas de plus vers une meilleure compréhension de la grève. Salut Sam, je vais envoyer mon dernier rapport sur l'avancement de mes travaux. Je sais que l'unité EvoDevo utilise le réseau Kiral pour accéder à la grève, mais je n'arrive pas à déterminer de quelle manière. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit... On a une idée précise, en tout cas, celui qui a élaboré cette théorie est un véritable génie. On ne pourra jamais récupérer le passé qu'on a perdu, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de reconstituer le puzzle pièce par pièce. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait être sacrément intelligent pour penser à un truc pareil. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux photographies. Après tout, une photo n'est qu'un fragment d'une réalité bien plus importante. Un instantané en deux dimensions dans l'espace et le temps, sans parler des pensées, des sentiments de la personne qui le prend. Un souvenir physique censé être une représentation de nos souvenirs mentaux. Certains disent qu'on a tous une grève qui nous est propre, et que c'est par ces grèves que le réseau passe vraiment. Il y a peut-être du vrai là-dedans, peut-être que nos grèves ne se limitent pas à des fragments de nous et de nos souvenirs. J'avoue que je suis loin d'être un expert dans ces choses-là. Vous en avez sûrement plus de chances que moi de comprendre tout ça. C'est vous qui êtes atteint du Dooms après tout. Vous avez vaincu les mules sans tuer personne? Cher Sam, la branche locale des mules ne nous a pas causé de problème depuis un moment, et j'imagine que c'est le résultat de la leçon que vous leur avez donnée. Écoutez, je sais que ces types ne sont que des victimes avec des troubles obsessionnels compulsifs ou je ne sais quoi, mais le fait qu'ils fondent notre vie en enfer. Et qu'ils fondent notre vie en enfer. Il fallait que quelqu'un se dresse contre eux et c'est exactement ce que vous avez fait. Chapeau bas, Sam. Et mon outil, en fait, il vous a été utile? J'imagine que oui, si vous avez réussi à repartir sans tuer personne. Parce qu'on peut quand même les tuer. En ça, moi, je n'étais pas au courant. Hein. J'ai même essayé de leur rouler dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Donc bon. Ok, alors du coup il y a des commandes ici sûrement à prendre aussi. Poisson énergétique, on a un truc très lourd. Pour retourner à la ville relais du lac. Je sais pas si on peut tout prendre. J'sais pas trop comment on s'est vidé là actuellement, enfin... Sélectionner, accepter, confirmer, charger sur le véhicule tout, ok si ça rentre. Commande attribuée. Repetite sauvegarde.
Qu'est-ce que je fais d'abord? Est-ce que je retourne à la ville relais du lac? Bah après le truc c'est que je sais pas en fait ce que je vais avoir en avance, donc bon c'est Merci encore. C'est du pif quoi. Vas-y, on va y retourner parce que c'est une grosse commande lourde. Ah mais oui, mais de toute façon en plus oui. J'ai la commande finale en plus aussi. Donc on est d'accord que là ça bouge plus, mais si je speed, on est d'accord que ça descend quand même, non? Je sais pas. Hein. Non, j'ai pas l'impression que ça descende en fait, même en speedant. Les métaux. Accrochez-vous. J'aime bien foncer dans les hologrammes. J'ai l'impression de foncer sur quelqu'un. Alerte psychopathe. Alors, faire une livraison. Dadana, didadou. Une grosse livraison quand même. Avec beaucoup d'éléments. Je pense qu'on va reprendre. Si on peut, on reprend la commande de la ville portuaire sud. Alors, ici, non, et hop, puis-je, s'il vous plaît, les récupérer? Vraiment oui. Parfait. N'oublie pas la sauvegarde, c'est très important. Au-delà de juste pouvoir... Merde. On va se vider un peu de trucs qu'on a sur nous, je pense. Au-delà de juste recommencer à un endroit où on n'est pas arrivé, c'est les aléas, bien évidemment. PC qui shut down, un jeu qui freeze, une électricité qui saute, bref. Vous l'avez. Casier privé. Il faut qu'on s'enlève des trucs en fait, ça veut dire. Parce que là on est full ZA. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait rien. C'est chaud par contre. C'est chaud. Ça me laisse un peu perplexe tout ça. Tout s'enlever. Parce que je crois que là j'ai pas le choix. Hein. Je m'enlève tout. Je crois que j'ai plus de place du tout. Mais ça c'est pas clair en fait. Ou alors c'est moi qui arrive pas à voir où c'est. Mais la charge du véhicule, genre c'est où? À part le voir comme ça. Y a pas de chiffres en fait. Pourtant regarde, on peut en mettre tellement plus. Bon, normalement c'est plutôt pour des gens, mais là il y a personne. x34 x32. Ah, la capacité c'est x34 et là on a x32 trucs. Ça. Marchandise à livrer 2 plateaux. Là je comprends pas le... Il y a deux trucs là. C'est les trucs que j'ai sur moi. Non. Absolument pas. Bon bah fuck hein. Une nouvelle fois on va pas la prendre hein. Putain mais... C'est un délire hein. Désolé hein, mais principal. Hein.
toujours pas. Sorry, not sorry. On reviendra, c'est pas grave, on reviendra. On est déjà presque à une heure de VOD. On va la faire durer cette VOD. Tant pis, hein. Qu'est-ce qui est en mauvais état? Ah oui, c'est mes bottes. Ouais, on va la faire durer un peu cette VOD, histoire de faire les livraisons. D'ailleurs... quelle est la prochaine? Soit celle-ci quoi. Le truc c'est que là, là-bas, c'est pas relié par le réseau quoi. Enfin, non, c'est pas relié par une route, pardon. Après, on peut faire celle-ci. On sort à droite, on revient dessus. On va jusqu'au bout du truc ici là et après on vient ici comme ça on passe pas par le par les mules. De toute façon, y a que ça. Hein. Après ici il va me demander d'aller ici je crois un truc comme ça, il y avait une quête. Il y avait une quête comme ça. Donc on se dit premier que ingénieur on a déjà fait. Premier on va abricot du coup. On va abricot. Abricot dépôt. À faire ça, hein. Ça, into ça, into ça, et dès qu'on peut sortir, on sort quoi, en gros. Oh putain! Ils sont venus jusqu'ici? Ah, dis donc. J'y vais, les gars. À force de me capter, en fait, ils. Non! Non, 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 la cinématique en mode. En mode, on vise le truc directement là. Non, 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 non. Non. Non, là c'est trop là. Là c'est trop là. Moi je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. L'armée trop bien. Ça c'est un truc qui change pas. Par contre l'arme est beaucoup trop bien. Bon du coup je les assomme pas mais bon. Pas grave. Après je pourrais descendre ici, mais vas-y j'ai la flemme. J'espère qu'ils auront compris la leçon. Ouais non, par contre non, c'est trop. Je suis désolé, non mais... j'accepte des choses du jeu depuis le début, tu vois, je prends sur moi et tout, j'essaye de voir le bon côté du jeu. Et la cinématique... c'est trop. La cinématique qui envoie le javelot directement sur ton véhicule. Non, à un moment faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quand même. Je veux bien être sympa deux secondes quoi. Pour l'instant on continue la route.
En fait, si tu vois que t'as ça, faut que tu mettes un gros coup de frein d'un coup. Pour pas que ton véhicule tombe dans un ravin là. Ok, parfait, ça m'a l'air d'être tout plat ici, exactement ce qu'on voulait. Parfait. Tout est bien foutu en fait. Jusqu'à maintenant. Oh, c'est les copains. Salut. Bien. Eh ben, ça a pas dû être facile de porter tout ça. Si. Si, t'inquiète. I got a vehicle now. Lance-Bola niveau 2. Veilleur Horizon Zero Dawn. OMG. Je voulais vous dire, j'ai mis quelque chose de côté pour vous. Ça vous sera Bola niveau 2 qu'à moi. Prenez-le quand vous voulez. Le Bola niveau 2. Pas du tout. Une grenade hématique personnalisée. Ok. C'est-à-dire. Attention améliorée. Maison de la grenade hématique standard. Hématique standard là. Limite de transfusion imposée par le modèle de base a été augmentée pour plus d'efficacité face aux échoués. Cette conception particulière ne peut être reproduite à l'aide d'une imprimante chirale. Ah non. Lorsque Sam vise, son sang est transfusé dans la grenade qui, une fois lancée, explosera. Ouais. Ok. Bah c'est intéressant, ouais. On va les prendre. Ah, je pensais que t'allais me donner un lance-bola 2. Deg. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal. Puis deg. Tu pars ? Fabriquer un équipement. Un lance-bola amélioré. Eh ouais. Il vous permet de charger vos tirs pour augmenter leur portée et le rayon des câbles. Oh. Pas mal, hein ? Ah ouais, du coup. Après, franchement, même le 1, il fait trop le taf déjà. Attends, je veux juste voir ce que c'est écrit exactement. Version améliorée et plus légère du lance-bola. Sa portée et la capacité du chargeur ont été augmentées. Les câbles. La capacité du chargeur. Les câbles du serveur de munitions étant en réalité des liens imprégnés. Ok. C'est incroyable. Je vais en fabriquer. Parce que du coup, il y a plus de. Et en plus, il y a plus de munitions, quoi. Bon, du coup, j'aurais. Ouais, faudrait que je me débarrasse d'un. D'un Bola, quoi. D'un lance-Bola, parce que du coup, j'en avais deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une livraison de. Wow. De 72 kills. On a une ancienne où. C'est où on doit aller maintenant. Mais là, actuellement, on peut retourner ingénieur pour livrer 72 kills. Mais aussi à la ville relais du lac. Pour un truc de 6 kills. Est-ce qu'on peut le prendre ça? Est-ce qu'on peut prendre genre ça et ça? Ça m'a l'air chaud. Hein. Ça m'a l'air chaud quand même. Ok, mais le problème c'est ce que j'ai sur moi quoi. Je crois que là il n'y a plus de place du tout. Là. Ah, x28? Ah, peut-être. Il va peut-être falloir qu'on stocke des trucs par contre. Comment attribuer? Déjà, je vais juste faire ça là. Hop là. Ça soit un petit peu plus stable. À mon avis, on va pas pouvoir rentrer dans le véhicule. Ah si. Oh putain. Ouais, à mon avis, c'est close. Hein.
À mon avis, c'est très très close. On sauvegarde. Hop. Au lieu de la... au lieu d'aller de l'avant, on va aller de l'arrière. Pas grave, hein, c'est comme ça. C'est la vie. Du coup, il faut qu'on aille aux ingés. Bon, je pense que je vais arriver juste avec ça là. Parce que je branle avec mes indicateurs, mais bref. Et mais le problème, c'est que oui. J'en ai mis deux et en plus ils font ça un peu salement, mais bon. J'avais oublié que ça restait un petit peu en fait, donc c'est bon, c'est ok, c'est ok. Is ok. Il y a une borne juste là. Ah mais c'est bon, il y en a une juste là aussi. Parce que t'as vu le peu... Enfin, vous avez vu le peu de d'hors-piste entre guillemets qu'on a fait. On a déjà sucé un quart de l'énergie quoi. Un truc de fou. On part trop vite. Là il faut qu'on sorte. Je crois qu'il y avait un truc par là, là. Même si ça te fait sortir sur, sur le territoire des mules. Je crois qu'on avait vu que c'était pas si grave, non? Oui, puisque là t'as un pont direct en fait qui t'y emmène. J'ai peur de voir des mecs de partout là maintenant. Les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchand des esprits. Merci. Oh l'abus. Ça va, drama queen. Ok, c'était le truc lourd. Salut Sam, comment ça va? Bon sang. Oh. Ah ouais. Est-ce qu'elle est renforcée level 3? Let's go. Nickel. Bagagiste éminent. Vrai déménageur. Bon, soyez... Bah je vais le construire direct hein, je pense hein. Nouvelle commande disponible. Veuillez... Ça ne finit jamais les commandes. Level 3, 180 et 200. Oh, y a assez hein. Du coup là on les a fait dorer, je les avais pas trouvé super belles. Parce que là cette fois-ci on les fait argenter. Équipé du squelette actif. C'est pas super beau non plus hein. En fait celles de base elles sont bien plus jolies que toutes hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme commande en cours? Boisson énergétique. Bricoleur. Putain du coup faut retourner au bricoleur. Putain mais c'est... C'est un truc de fou. Ça finit un jour ça ou pas? Non je pense que oui. Je pense que c'est limité. Il n'y en a pas à l'infini. Parce que là faut que je retourne aussi au tout début. Là on fait les quêtes secondaires quoi en fait là. On fait littéralement toutes les quêtes secondaires. Après honnêtement
comme je le disais, c'est pas plus mal. Maintenant qu'on a le véhicule. Parce que ouais, enfin on a squelette renforcé level 3 quoi. Et c'est pas si mal. Je pense que ça va pas mal nous aider pour la suite. Puis à un moment c'est sûr qu'on aura plus accès à ce véhicule. On va changer d'endroit ou quoi. Du coup on sera bien content d'avoir avoir notre squelette quoi. Notre exosquelette. Oui, oui, oui. Salut. Salut à tous. Ah, du coup, ils se sont tous réveillés. C'est juste cette partie qui est un peu relou, mais bon, je vais pas me plaindre. Le truc c'est que là ils vont s'avancer, du coup ils vont être près de moi. La prochaine fois que je vais refaire un passage, juste après là. Où il y a moyen qu'ils nous embêtent un peu, mais bon. Pas être tranquille tout le temps non plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir commencé ça et mon vrai métier de livreur quoi. Full aller-retour, full quête FedEx. Ça me fume parce que les jeux ils essayent aujourd'hui de moins en moins de faire des quêtes FedEx comme ça justement pour faire apprécier l'expérience utilisateur. Bah Death Stranding c'est tout le contraire. Hein. C'est tout le contraire. Hey Sam, content de vous voir. C'est les quêtes FedEx par excellence. La légende. Oh, merci. Pas de soucis. On verra à la prochaine. Au travail. Ok, pas de nouvelles commandes. OMG, est-ce qu'on peut récupérer nos prototypes ou pas? Hop. Ok, tout ça a l'air bon. On va commencer à se débarrasser d'autres commandes de toute façon. Alors, où est-ce que je dois emporter mes trucs? Je crois qu'il faut que je retourne à un endroit où je suis déjà allé là. Ouais, bricoleur. Faut que je retourne à brico. Après, faut que j'aille à ancien. Et j'avoue qu'ancien, je sais pas trop comment je vais y aller. Parce que ouais, je crois que c'est au-dessus des montagnes. Ça va peut-être être un peu chiant. Parce que j'ai deux trucs à ancien. Un truc à brico. J'ai passé tous les marqueurs. Je vais en mettre un ici. Accrochez-nous. De toute façon, j'ai juste à... Faut le conduire jusqu'à brico comme tout à l'heure. Là, on connaît la sortie, c'est après, c'est pour l'autre. Ouais, on connaît pas, on sait pas trop comment je vais m'y prendre. Il y a moyen qu'il faille que j'utilise mes papates. Ah, c'est limite mieux. C'est un peu plus dangereux, mais c'est limite mieux de genre s'arrêter sur la route avec le véhicule si on est sûr, si on n'est pas sûr de la distance. Et de faire le reste à patte à partir de la route quoi. Et tu laisses tes trucs sur ta route, sur la route. C'est bon, il n'y a pas eu de cinématique à la con.
territoire des échoués, quelque part. Pas très loin. Ou fin des mules. Parce que t'as pas le truc qui s'active pour les mules, c'est que pour les échoués, je crois. Il va y avoir un... Ouais, d'ailleurs, de la pluie là dans le coin. Bon, je sais pas si c'est possible d'avoir les échoués. Ah, il pleut. Ah, est-ce que c'est possible d'avoir les échoués sur le pont ou pas? Là, j'avoue. J'aurais tendance à dire que non, mais bon. Ah. Ça court chez les porteurs. Peut-être qu'ils veulent affronter les échoués. OMG. Je sais pas s'ils ont vraiment une grosse utilité réellement dans le monde ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'en voir. Ça, c'est sûr. Ok, alors bricoleur, c'est là. Bah, du coup, ça plouille un peu dans le coin. Là. C'est pas foufou. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'armée. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées. Mais j'ai cru voir Aloy. Je pense qu'il y avait littéralement Aloy là. De Horizon. J'ai une commande à accepter. Salut Sam. La marchandise. Je voulais vous dire, j'ai mis quelque chose de côté. Prenez-le. Encore des grenades? Oui. Prenez avec nous. Hein. Bon. Au travail. Nouvelle commande disponible. Ça arrête jamais. Il nous faut retourner à ingénieur. Non mais... En vrai, ça s'arrête ou pas ça un jour? Je suis en train de me poser la question là en fait. Parce qu'une commande pour ingénieur, c'est possiblement un exosquelette level 4 quoi. Donc ouais, ça donne envie. Et un autre truc pour ancien, où je ne suis pas encore allé. Mais ah, ils veulent que je passe là? Ah oui, parce qu'il faut que je récupère quelque chose ici et qu'après j'aille ici. Ah ouais, hein, j'ai pas vraiment le choix. Ingénieur, c'est beaucoup trop bien. Pour avoir un nouvel exosquelette. Au final, level 2, level 3, je les aurais même pas encore utilisés. Je fais la guette principale, on aura déjà bien avancé je pense. Les épisodes secondaires là. 1h20. 1h20 de VOD là, let's go. On s'occupe de celle-ci et on va mettre fin à la VOD quand même parce que bon, les grosses VOD d'une heure et demie. Ça fait du gros morse quoi. Gros morceau.
La résine juste devant là. 800 de résine. Blague. Tellement énorme. 800 de résine. What the fuck. What the fuck. Faire une livraison. Livrer la marchandise perdue. Les résines. Pas le plus compliqué quoi, c'était juste devant. Alors, est-ce qu'il va nous améliorer notre truc ou pas? Ah. Bon, la marche. Bon. This time. Le retour des porteurs. Salut Sam, vous vous souvenez du porteur dont je vous avais parlé? Il est encore passé, il est venu à mon ancien repère, celui dans les ruines, vous voyez lequel? Pour ce qui est de la raison de sa venue, eh bien il semblerait qu'il soit venu me rapporter certaines de mes affaires, une tenue de travail un peu moisie dont j'avais mentionné qu'elle me manquait. Il n'y avait rien d'une requête ou d'un truc du genre, juste j'avais dit j'aimerais bien la retrouver ou quelque chose comme ça. Et aussitôt il s'était levé, il avait dit qu'il me la rapporterait. Je lui avais dit que ce n'était pas la peine, que ça ne servait à rien d'essayer de jouer les Sam Bridges. Mais il y allait quand même, et il l'a visiblement retrouvé. Il est revenu sain et sauf. Il y a un pouce en bas. Il n'est plus tout seul apparemment, il m'a dit de faire équipe avec un autre porteur. Un pour surveiller les échoués, l'autre pour s'occuper des marchandises. Ni l'un ni l'autre n'est atteint du Dooms, mais ensemble ils arrivent à s'en sortir aussi bien que vous. En tout cas, cette fois-là. C'est dingue ce que les gens arrivent à faire quand ils sont motivés, et quand ils ont des modèles comme vous, pour leur en donner la force. Il est revenu sain et sauf, pouce en bas. Ok mec. Ok. Ok, sauvegardons, je vais faire une pause dans la VOD, des bisous sur YouTube, on se retrouve au prochain épisode pour continuer à faire ça. Allez, des bisous.